Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tutoriel pour la rentrée. Alors tout d'abord, l'étape à ne surtout pas oublier, c'est de mettre une crème hydratante sur son visage. Et ça, peu importe votre type de peau, parce que oui, même les peaux grasses doivent être hydratées. Vous pouvez prendre n'importe quelle crème hydratante, qui n'est pas trop riche bien sûr, pour éviter l'effet de brillance ou d'avoir la peau un peu collante. Ensuite, on vient également continuer l'hydratation avec l'hydratation des lèvres. Et donc moi, j'utilise un baume pour les lèvres de chez The Body Shop. Après, comme quand on est au collège, je pense que le fond de teint n'est pas essentiel. Donc on vient se servir d'un anti-cerne pour venir corriger ces cernes. Et vous pouvez également vous en servir pour effacer vos petites imperfections. Je le remonte également au-dessus de la paupière pour unifier tout ça. Ensuite, on passe au mascara. Pour ma part, c'est un de chez Revlon. Vous pouvez utiliser n'importe quel mascara. Peu importe, ça va tout de suite agrandir votre regard. Au collège, ce n'est pas nécessaire de se maquiller trop les yeux, puis de toute façon ça fera trop chargé pour vous, donc préférez simplement l'utilisation d'un mascara. Ensuite, je viens exfolier mes lèvres avec le fait des lèvres de chez Lush, qui est un super exfoliant. Ça va enlever toutes les peaux mortes et voilà, ça va vous laisser les lèvres douces et sans aspect rugueux avec des petites peaux. J'essuie un peu le surplus et je viens hydrater mes lèvres et en même temps leur donner une petite touche de couleur avec un baby lips. Donc ça, c'est une bonne alternative quand on est au collège. Ça donne une petite coloration aux lèvres, mais ça reste très très léger. Et voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.